C'est la cinquième partie de pandémie que je fais, et à chaque fois j'ai perdu, je tombe avec des mongols. C'est pas possible. Sur cette piste-là, faut prendre smoke, faut se jouer smoking et Finca au cas où. Moi je peux prendre ça. Allez, je prends Finca. Je vais pas jouer Doc, Tizo. Vas-y, allez, je joue Doc. Merci. Mais bah, y a PD qui l'a pris, Doc. Je vais jouer Finca. Bah, y'a un co. Ah bah, j'ai rien dit. Comment t'assumes pas ce que tu dis? Voilà là! La vie de ma mère. Par contre, j'ai fait plusieurs fois en one break et vu que j'ai acheté le truc là, Edit, enfin le truc avec les trucs compètes pour smoke tout ça, j'ai équipé d'une autre tête et ça fait mieux en fait, ça fait 1 000 € que 7. Regarde. Les gens ils disent putain, mais t'as le meilleur smoke au monde et tout. La meilleure. Ouais, wow. Ça le fait. Oh, moi par contre, j'ai débloqué que le casque pour le doc, c'est dommage. Ouais, hein. Moi doc, je l'aime pas, c'est ses armes que j'aime pas. La MP5, la P90, c'est le. Bah, elles sont bien, mais c'est juste, tu sais, c'est le côté esthétique de l'arme, tu vois. Je préfère pas les. Fan. Ouais, pas fan du tout. Ah bah nickel. Mais je suis sûr que c'est pas terminé, quand ils vont enlever l'event, ils vont dire qu'ils vont améliorer les maps, ils vont... En fait, c'est juste pour une petite période. Je sais même pas pourquoi ils ont pas fait ça permanent, parce que j'aime bien ce mode de jeu, j'aime bien le faire. Oui. En plus, ils se sont pas du tout fait lyncher comme pour le... Bah au début, j'étais un peu sceptique, mais finalement, non. La charge est terminée là, hein. Enfin, là, il y a le ping d'affecté. Et pas dans le garage. Préparez-vous pour les zombies. Le doc, il a le pistolet qui réanime et qui raise, c'est ça? Ouais. Ok. Putain, on a un cogneur. Putain, j'ai cru que j'étais rook, moi. Ah, que cogneur, c'est le gros, c'est ça? On a un cogneur en alpha. Ouais. Je peux me solo le cogneur, y'a pas de soucis. Hein. Par contre, c'est l'alpha qui va casser les couilles. Merde, je crois que j'ai tiré sur quelqu'un. Sans faire exploser la shotgun. Attends, on est en épique? On est en pandémique, ouais. Ah, pas encore. Ah ouais, d'accord, donc il y a le TK. Ouais, ouais, écartez-vous, je peux faire le cogneur, y'a pas de soucis. J'ai déjà mis 2 coups de couteau. Écarte-toi, Mathias, écarte-toi. Ok, le cogneur c'est fait, il est mort. L'alpha est bientôt mort, hein. Je l'ai enculé. Il est mort. Non. Bouge. Ah non, t'inquiète. Ah mais c'était quand même tiré dessus? Ouais, tu vas tirer dessus. Oh merde, putain, mais je pas... Mais les hitbox, elle est mal faite parce que tu verras sur la vidéo, je tire bien, je suis pas sur toi. Hein. Non, mais non, t'inquiète pas, je t'en veux pas. Ok, ouais. De toute façon, je sais qui c'est qui me tire dessus, honnêtement, je m'en fiche. Je suis complètement d'accord. Ah, au fait, non, on record, donc du coup, dites pas de bêtises, dites pas de trucs qui fâchent, hein, pas de blagues sur. Je peux même pas traiter les juifs. Oh, mais non, je parlais pas de ça, bon, c'est pas grave. Couvrez-moi, je dois recharger. Oh putain, j'avais le cuté enculé. Mais tu me saoules. Je suis une machine au macaro. Tu me saoules trop. Il est pété dans ce mode de jeu. Il est pété le macaro dans ce mode de jeu. Ouais. Macarovier, t'inquiète pas. Wow. Repousse-les, hein, les mots. S'ils sont vraiment trop près, les parcs épiques, tu les repousses. Hein. Ouais. Putain, j'aurais pas dû prendre l'anaconda. Attends, Mathias, on de couper le courant. Le truc c'est que hop c'est bon
Préparez-vous. Recule, tu recule, recule, recule. Parce que y aura des bombes, des bombardiers qui arriveront par la hauteur. Tyson bombardier, je vais te casser le dos, pas te marier. Continuez votre approche. Bon sang. Je crois qu'il y a un alpha et un cogneur là. Ouais, bah c'est toujours t'es le cas. Alpha. Cogneur, c'est ça. Je peux m'occuper du cogneur, hein. Je le gère plutôt bien. Je gère l'alpha. Moi. Essaye de m'occuper des cafards. Ouais, c'est possible. Attends, vite, recule, écarte-toi de moi. Le léprechaun ne traîne pas avec le cafard. C'est un proverbe chinois ça ? Non, non, c'est dans... je crois que c'est dans la série Obélix Mission Cléopâtre, mais... Il faudrait que Mathias me dise c'est quoi la réplique exacte. Ah oui, c'est le lion ne traîne pas avec le cafard, je crois. Il est mort l'alpha ? Non. Wouah, il m'a éjaqué à la tronche, j'y vois rien. J'ai enculé le cogneur. Déjà ça va beaucoup plus vite quand on est à 3 parce que quand je suis avec les autres mongols là ils arrêtent pas d'aggro le cogneur mais... N'importe quoi. Juste horrible. Après le shotgun est pété dans ce mode de jeu aussi. Arrête de spawn kill les aliens. Non là il y a quelqu'un qui est mort, il fait un tir de... Ouais. C'est comme dans tous les films où t'as le mec qui se ramène avec la grosse batteuse et il se... Oh le gros black. C'est ça pour ça ouais. Gros black. Attention parce que moi quand je commence à tirer... Tu t'arrêtes plus. Pendant 10 secondes t'avoines mec. Comme, contre, la... Pour changer, c'est notre... Comme la fois où Vinko il buguait, il était en mode Rambo, il faisait les gars venez. Non non. Tu l'as raconté ou pas Mathias? Non, j'avais raconté ça par contre, c'était un bon bail. Ouais. Ouais, Mathias, on est dans l'hôpital, tu vois, sur Tarkov, et Vinko, à cause de la D5, il est avec une 74-8 et son chargeur, il a une limitée d'ammo. Il allume deux mecs ou trois dans les escaliers, il revient. Et il s'arrête pas de tirer. Et on entend rien, on entend pas ce qu'il dit. Et il dit les mecs, pourquoi vous venez pas m'aider, etc. Et moi et Clarence, on se regarde et on voit Vinko qui surgit des escaliers. Et il est en mode full auto avec sa calache et il tire dans tous les sens. Et on essaie de dire arrête Vinko, arrête de tirer. Mais c'est mec, pas moi qui tire, c'est vous qui buguez. Il nous engueulait parce qu'il comprenait pas pourquoi on faisait demi-tour, mais allez looter. Ah non, mais j'avais du stuff de ouf, gros, il y avait des OP score et de full M4, genre non, mais, 60. Non, mais ils se demandaient pourquoi ils font demi-tour, alors, et ils comprenaient pas qu'en fait, il arrêtait pas de tirer, il y avait. Et genre, t'entendais le carrelage, les vitres, les meubles se péter autour. Des barres, franchement. On peut rester au rez-de-chaussée. Évitez de rester au niveau de la porte, hein. J'ai mis une smoke dessus. Je peux rester là de mon côté, je peux défendre. Si vous voulez, il y en a un qui peut monter là-haut, au balcon, là, juste au-dessus. Comme ça, il pourra mieux mettre un cover. Je prends là, moi. Non, monsieur, on n'est pas intéressé pour des tapis. Au revoir. J'ai déjà dit non à votre collègue, vous allez pas me faire chier longtemps. Oui, oui, je connais déjà l'histoire de Jésus. Bah alors c'est Jésus, il marchait dans le désert, puis voilà. Jésus est juif. Il est pas arabe. Ah bon, à que. Ah, il y a les chasseuses. Les pièges, je veux prendre. Ah, faut que je les nique, les piégeuses. Ouais, mais tu gagnes pas de pendentif. Ouais, non, c'est un défi. Ouais, c'est 1000 euros. Oh merde, pardon. Tu m'as laissé à... Bon bah voilà. T'inquiète. Ah, mais en fait, il y avait la piégeuse qui m'avait piégé et au moment où je tirais sur quelqu'un, et on s'est superposé, Mathias. T'inquiète, je ne t'influence pas, c'est... Oh putain, j'ai la tech d'arme. Oh oh. Merci Mathias. What?
Vous me dites ça si je me raise, hein. Vas-y, reste toi, reste toi. Merde. What? T'inquiète, j'ai Tiso. J'en garde un pour vous au cas où. Oh non! Elle spawn instant sur moi, quoi. Je vais chercher Mathias. Hein. Tiens, moi. Elle était au-dessus de merde. Impossible! Il sort d'où lui? Incroyable! Je sais pas, je suis planté ou j'en sais rien, mais qu'il y avait personne et tout d'un coup. À la batteuse, il y a plus de balles là. Vu le temps que tu mets pour recharger. Récupère... Il y a des balles en dessous et au-dessus. Hein. Ah merde, bon, attends, j'ai vu au-dessus. Je vais remplacer la charge, hein. Écartez-vous. C'est bon pour les explosifs. Protégez-les. Ça a fonctionné. Vous êtes. Attendez. La détruite 4 arrive vers votre position. On nettoie tout. Dans les règles de l'art. Parfait. La zone est dégagée. Ce tunnel vous amènera au cœur de la casse. Là où tout a commencé. Faut faire le plein. Y'a pas besoin de prendre des munitions, on passe un checkpoint, on va partir à la partie 2. C'est ça le passage un peu galère que tu m'avais parlé, Winko? Ouais, ouais, après le truc de voiture, là, la grue, va falloir cover 3 explosifs. Donc faudra qu'il y en ait un chacun, et après il faut qu'il y en ait au moins une qui survit de charge. Et crois-moi, c'est galère. Hein. C'est la mission que tu peux la rater la plus souvent sur en pandémie. C'est la plus chiante. Après les autres c'est plus facile parce que t'as vraiment t'es pas contraint à cover tel ici ça en fait. Par exemple le docteur tu peux facilement la mettre derrière des barricades et elle restera en vie quoi. Alors que les charges t'en as juste 3, il faut qu'elle survive. Il y en a une qu'il faut qu'elle survive. C'est vraiment casse-couille. Du coup c'est quoi les ordres? Les ordres c'est qu'on se sépare sur les sites d'explosifs. Ok. Il y en a un qui survit quoi. Moi je peux défendre le bas, hein, c'est vraiment pas. Je peux défendre n'importe où. Oh! C'est quoi ce bruit qu'on entend? Ah, c'est ça? Regarde, ouais, il y a un van de l'autre côté en fait du grillage. Il faut l'enlever en fait. D'accord. Mathieu, je l'ai toujours sur Ubisoft par contre. Non mais ça lui prendra trop, ça lui prendra trop de temps de tous nous suivre, il nous parlera juste tout simplement pas je pense. Oh merde, pardon. Attention hein. Il y a les porcs épiques qui arrivent, faites gaffe. Les porcs qui piquent, ils font des dégâts à leurs copains quand ils explosent. Ouais. Les sapeurs, hein, ouais. C'est les porcs. Pour que je recharge, couvrez-moi. Le générateur est éteint, vous devez le redémarrer. Je peux récupérer, hein, vous en faites pas. Il y a un connard qui arrive. D'accord. De mon côté, ça arrive. Le générateur est de nouveau en marche. Je recharge. Il y a les piégeuses. Piégeuse et cognards, ça va faire. C'est merveilleux. J'ai tué une piégeuse. J'ai fait le plein.
putain de ta mère. Oui, ok. Éliminez les dernières, on peut continuer. Rechargement. Merci Matt. Et le cognon à terre. Faut que je recharge. Ok. Il est temps d'entrer. Ça cache quelque chose. Mais soyez, je sais pas si je veux savoir quoi. Prends des chargeurs. On devra veiller à l'extraire en un seul morceau. La casse, c'est pas là où le mec il avait ramené le satellite. Si, si. Ouais, si, si, il a essayé de le vendre tout ça, mais il s'est contaminé lui-même. Qu'il est con. On a droit qu'à une chance et l'erreur n'est pas permise. Placez trois charges explosives au point d'ancrage désigné et Jaeger pourra extraire le colis. Je peux défendre là où je suis. Non, pose pas, faut renforcer et tout. Ok. Il y a des fortifications juste en dessous. Ah, les fortifications. Bon. J'ai fait des trous comme ça, je pourrais mieux passer sur le truc pour vous aider. Mais je vais utiliser aussi là où je voulais renforcer. Je prends les dernières. L'étage, ouais, l'étage il perce beaucoup ou pas? Ah, c'est partout en fait, il perce vraiment partout. Attends, ici c'est bon, c'est bon. Par c'est contre, bon. Là, ce serait le top, c'est de mettre là juste, à la, juste ici pour celui qui est en dessous là. Ok, j'arrive. Hop là. C'est bon. En fait, la P90 c'est pas dégueu en zombie. Mais y'a mieux. Ouais, y'a mieux. Peut-être j'aurais dû prendre le... Non, maintenant le peupon de base, il est... Eh, c'est mal, hein. Il est bon. Bon, ben moi, si je suis bon, je peux défendre ici. Bon. Tu défends en bas, Mathias? Ouais. Je me mets à l'étage. Ok. Tu me dis si t'as besoin que je balance des smokes, Tino. Yes. Ouais. C'est parti. Je ferme ça. Attends, j'espère qu'il y aura une suite au scénario. Faut porter la charge, faut que tu portes la charge, Tino, par contre. Ok. Sur ton truc, là, juste ici. J'espère qu'il y aura des suites au scénario, parce que ça peut être vraiment sympa. Ouais, je sais pas, des missions antiterroristes, tu vois, c'est bien. Bah non, tout simplement la suite du scénario, quoi, veut dire le fin mot de l'histoire. Mais à la fin, ils ont trouvé l'antidote et ils ont sauvé tout le monde. Bravo. Ah ouais, ils percent vraiment partout, ces bâtards. Ils m'ont déjà trouvé le plafond, mec. Faut que je recharge. Je balance une frappe. Excuse. Oh. Ouais, j'ai essayé de tirer. Excuse. Je suis pas trop bichard. Non, ça va. 10. Ouais, ça va. Désolé quand même. Ok, j'ai chasseuse a repris 3 chevrotines dans la gueule. Ok, elle est morte. Piégeuse à terre. J'ai des balles à l'étage. Non, faut descendre. Tu vois, tu peux lâcher le truc et descendre avec Mathias. C'est parti. Ah, piégeuse. Il faut des balles. Ils Je remonte. La première charge
charge est détruite. Ah, ils ont détruit la mienne. Repliez-vous sur les deux autres. On pourra peut-être en tirer. Deuxième charge détruite. Repliez-vous sur la dernière et protégez-la. Ouh. Ah, j'ai une piégeuse, je suis piégé. Hop là, merci. C'est bon, on a réussi. J'ai réussi à défendre mon truc. Ils ont... Il y a un alpha. Je suis à 9 PV, mec. Sente-toi avec ta... ton pistolet à 5. Ouais, hop là. Une piège de terre. Il est parti à droite ou à gauche? À gauche, à gauche. J'ai pingé l'alpha. Je suis là en fait. Bien joué, on a réussi. Et la cavalerie est pas loin derrière. C'était chaud. Hein. Ouais, batteuse pas terrible. Hein. J'ai essayé, mais. Batteuse vraiment pas terrible. Trop loin à recharger, quoi. Là, franchement, le dernier truc, là, pour les explosifs et tout, j'ai fait tout le truc au pistolet, quoi. Parce que ma batteuse, c'était trop loin à recharger, quoi. S'échapper avec style, là. Waouh, David, elle est très belle ta montre. Merci, c'est mon père qui me l'a vendue avant de mourir. Tu vois des photos du juif.